Bon Franck, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'enjeu de cette régate de Palma? Ah bah alors l'enjeu sur cette régate, il est très simple puisque c'est une sélection pour deux épreuves très importantes qui sont le Mondial à Santander au mois de septembre où là il y a quatre représentants français qui vont y participer et puis surtout le Test Event à Rio fin juillet où là seulement deux représentants, les deux premiers français sur cette régate participeront à l'épreuve. Alors pour l'instant ça démarre plutôt pas mal. Alors ça démarre bien, faut dire que le travail qu'on a fait cet hiver ben, voilà, porte un peu ses fruits, c'est que le début, il faut attendre un petit peu encore avant de pouvoir crier victoire, mais moi je suis plutôt content de la prestation de toute l'équipe de France. Alors la prestation de Franck et de Sophie en particulier, hier ça s'est passé comment, quelques mots? Ben, là je crois qu'ils confirment leur suprématie dans ce genre de vent, c'est-à-dire entre 8 et 12 nœuds. Vraiment, ils ont un petit plus par rapport à la concurrence et avec ce qu'on a fait cet hiver, ben, voilà, ils s'expriment davantage maintenant. Bon, alors dans la brise à suivre, ça va peut-être être plus difficile. J'en sais rien, mais j'ai hâte de voir en tous les cas. Merci, bonne journée.